Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Clémax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui, vous avez remarqué, on est un peu dans la forêt. Et c'est normal parce que je vais vous présenter une cabane qu'on a faite. Alors on l'a pas totalement terminée, donc on va vous tenir principalement au courant. Donc voilà, on l'a pas terminée, on est en train de travailler dessus. Il y a Sebabou avec moi qui... Alors attendez, je sais pas si vous le voyez... Là-bas, voilà. Donc voilà, qui est avec moi. Et en fait, bon, après je dirai pas les noms, les autres noms, parce que bah voilà, ils restent anonymes. Mais on est plein, plusieurs gens à travailler sur cette cabane. Donc voilà, et sérieusement, elle est plutôt pas mal avancée. Je pense que vous l'avez vu quand je vous ai montré ces babous. Et après, vous voyez, là, on vient de genre tout là-bas. Vous voyez, genre là-bas, là. Là-bas, je vous montrerai peut-être d'où on vient. Donc voilà, je vais vous montrer la cabane, faut monter genre là, vous voyez là. Donc voilà, la chaîne de Sebabou qui est juste là-haut, qui est en train de faire une vidéo aussi sur pareil que moi, et ben, elle sera en description, donc allez la voir et abonnez-vous. Donc c'est une arme. Non, je rigole. Après, bon, oui, oui, il faut monter. Là, sérieusement, c'est pas super. Surtout, on a une racine, vous voyez. Normalement, elle est là. Elle s'est plantée là, genre, vous voyez. Sauf que, en fait, moi, en fait, genre, je l'ai arrachée. Et du coup, elle s'est arrachée. Mais. Du coup, voilà. Ouais. J'ai tombé parce que bah j'ai failli me genre je me suis entravé, bref. Donc les gars, on arrive à la cabane. Vous êtes prêts à voir alors on n'a pas terminé bien sûr, il reste encore à terminer. Mais en tout cas j'espère qu'il vous plaira. Donc les amis, voilà. Donc bon ça normalement c'est du feu, mais on n'a pas fait de feu aujourd'hui. Et attendez, on va peut-être rentrer par l'entrée quand même. Voilà, donc là c'est l'entrée, vous voyez. Donc voilà, là après il y a une petite petit mur en liane. Bon, on n'a pas trop terminé. Après, bon, là il y a la porte, donc on arrive. Bon, ça les amis, il faut faire très attention avec ça parce que on sait jamais. Donc voilà. Donc les amis, bon, là normalement on avait fait un mur, vous voyez toutes les palettes là, mais en fait on a cassé parce que. Ouais, vous voyez, non, il y en a encore là. On a tout jeté parce que bah c'était pas trop cool. Après, donc vous voyez, bon, là on a le sol, là on a notre mur, et là vous voyez, les gars, on va y aller. Attention, parce que bon, voilà, là vous voyez, les gars, là, et genre, on va aller dans la forêt, là, voilà. Et genre, en fait, on a trouvé des bâtons, du genre, plein de gros bâtons. Genre, regardez, les amis, genre, lui, par exemple, lui, là, je l'ai trouvé là-haut. Non, on l'a trouvé là-haut. Vous voyez, tout là-haut, là. Et après, il y a plein de bâtons. Là, genre, je sais pas si vous voyez, mais là, juste là. Il y a plein de bâtons et je les ai trouvés là-haut. Donc, vous allez voir. Regardez. Il y a plein de bâtons là-bas. Regardez. Il y a plein de bâtons là-bas. Et tout. Donc, en vrai, on n'est pas... On manque pas de bâtons. Et après, vous, je sais pas si vous voyez, mais vous voyez là-bas, il doit y avoir un truc. Genre là, voilà là. Et là, les amis, là, les gars, sérieusement, il y a plein de bois. Et en plus, c'est Seb, c'est quoi le bois que tu m'as dit de c'est difficile à couper? Là-bas, il y a plein de noisetiers, mais en fait, c'est pas, ils sont au sol, genre, vous voyez. Ouais, c'est super compliqué à couper. Genre, vous voyez, c'est ça. Bah, on voit d'ailleurs que j'ai coupé là. Ouais, c'est super solide. J'ai grave galéré, les gars. Donc voilà. Et après, donc, par contre, faut faire gaffe parce que voilà. Et donc après, vous voyez. Bon, là-bas,
Les gars, on est d'accord que c'est un craqué là. Je crois que c'est un craqué genre par là-bas. Ouais, j'ai entendu. Donc voilà, et après là il y a la terrasse. On est en train de la faire. Ouais, voilà, et je vous ai dit les gars, elle est pas terminée. Donc bon, voilà, et après là vous voyez, bon là-bas c'était les marches, hein, là-bas là, c'était les marches avec la palette. Faut faire attention. En plus, ce qui est bien les gars, c'est que on est surélevé, donc on voit grave bien, parce que genre ouais, c'est des gens, genre là-bas, regarde, je vais zoomer, mais genre là, il y a ça qui m'a piqué, là, je sais pas pourquoi. Ouais, je vais leur dire, et donc, attends, attendez, parce que, je sais pas, mais par là, vous voyez, oh là là, exactement, ici, il y a un chemin, et genre, du coup, on va tout arriver et tout, et les amis, ce que je disais avec, ce que Seb m'a dit, c'est pas vous m'a dit, hier, enfin tout à l'heure, il nous est arrivé un truc de malade, les gars. Parce que genre en fait, on était ici, hein, vraiment ici. En fait, on a entendu des voix et tout. Et donc, on a commencé à se regarder et tout. On a commencé à s'inquiéter parce qu'ils allaient, je pense qu'ils sortaient de teuf et tout, tu vois. Et genre ils étaient peut-être un petit peu pompettes. Et du coup, on commençait à s'inquiéter parce que bon, vous savez comme très bien comment ils sont les gens sous. Et en fait, du coup, on s'approche donc. On s'est approché devant, là-bas, et en fait, là, on les a vus, ils étaient quatre, du coup, on s'est avancé là-bas, on va les voir, et en fait, du coup, ce que je vous ai dit, excusez-moi, les gars, je vais tomber, là, je vais tomber, donc, voilà, les gars, je l'ai fait, je suis tombée. Par contre, je me suis fait grave mal à la main. Ah, les gars, je me suis pris ça là dans la main, là. Ça fait grave mal. Par contre, voilà, je suis vraiment tombée. Bref, de toute façon, c'est des vieux amis. Mais du coup, genre, ils sont arrivés par le chemin et tout. Et ils ont commencé à monter là où il y a un pigeonnier. Et en fait, ça a été racheté et tout. Mais bref, et du coup, nous, on commence à s'inquiéter. Parce que, tu sais, vous savez, ils viennent vers nous. Voilà, quoi. On était pas trop serein et tout, mais en fait, genre au début, pourquoi je m'en toujours là, moi je suis bête ou quoi? Et genre, en fait, au début, on prenait ça pour la rigolade, du coup, nous aussi on a crié et tout, mais genre après, mais les gars, je vais finir vraiment pour me faire mal, moi, dans ce pays là. Et genre, du coup, on a quand même surveillé et tout, parce qu'on était un peu stressé quand même. Je vais vraiment finir par tomber. Hein. Et du coup, les gars. C'est pas vous, il était un peu en retrait, il était là, exactement là. Et moi, vous voyez, j'étais par là-bas. On va y aller. J'étais là-bas, là, sur les gros troncs d'arbres, parce que, en fait, on va sûrement pas le voir. Mais en fait, on a vraiment commencé à flipper. Parce que, en fait, je sais pas si vous voyez, mais en bas, là, en fait, il y a des. Il y a comme un petit chemin, et en fait, il y a un tronc d'arbre qui permet de monter, par exemple, voilà. Lui, vous voyez là, je vais vous zoomer. Genre là, il y a un tronc d'arbre qui permet de monter ici. Genre ici ou alors là-bas. Et en fait, du coup, on a commencé à stresser parce qu'on avait l'impression que les vols se rapprochaient et tout. Et en fait, vous voyez le chemin, il est là-bas. Et en fait, ils sont allés tout là-bas. Donc, ils sont allés tout là-bas. Et en fait, après, ils ont pris un chemin pour remonter. Et en fait, ils ont tout cassé et tout. Et en fait, là-bas, il y avait un pont. Hein, Seb, le pont. Et, d'accord, il m'a pas répondu. C'était très, très, très cool. Et genre, en fait, il y avait un pont. Donc, nous, on le prend toujours. Parce que de toute façon, il n'y a que là pour ressortir. Voilà. Et genre, en fait, il n'y a que là pour ressortir et pour aller. Voilà. Bref, vous avez compris. Et en fait, ils avaient cassé une planche. Je crois qu'il pleut. Et genre, en fait, ils avaient cassé une planche. Et nous, genre moi, en fait, on a eu l'impression qu'ils cassaient pas de planche. Genre, il n'y avait pas eu de planche cassée. Et en fait, moi, j'arrive, je marche. Et là, la planche, elle se craque. Et j'ai flippé, les gars. J'ai vraiment eu peur. Et après, genre, on était là. Donc, vraiment, on était là, genre là. Et en fait, là, on commençait à communiquer un peu avec eux et tout. Mais de loin, genre, ils étaient tout là, pas et tout. Et genre, on faisait « Wow, wow !» et tout. Et là, ils ont dit « Ouais, on s'en fout, on a nos vélos. » Donc là, les gars, on commence à stresser. On est vraiment descendu à pleine bille. Bon, heureusement, ils étaient là. Mais donc, voilà, on a bien flippé quand même.
Je crois que c'est Babou vient de casser ma pelle. Oh les gars, regardez. Regardez la pelle. Regardez la pelle. Oh non, là là. Elle est toute neuve. Oh, elle est toute neuve, les gars. Bon, bah, je crois que faudra prendre une autre pelle la prochaine fois, quoi. T'inquiète, on la répare. Ouais. Juste ça. Il faudra qu'il la répare lui-même. Quoi, j'ai rien dit, moi. Bah, parce que c'est toi qui l'as cassé. C'est toi qui tapes sur un arbre avec. Oui, bon, aussi, j'ai peut-être un petit peu tapé sur l'arbre. Vous voyez tout ça, là, hein. Je crois que c'est moi qui l'ai... Chut, hein. Aussi, les gars, tout à l'heure, en creusant, parce que, bon, là, vous voyez, on va faire tout plat et tout, les gars. Bon, ce que je vous ai dit, on n'a pas terminé. Mais genre là, regardez. Il vient d'arracher une branche, le mec. Une racine. Une racine, ça, t'es malade ou quoi, toi? C'est une racine. C'est des troncs d'arbres, oui. Mais il est malade, ce mec. On fait tout pour la cabane. Oui. Oh, oui. Oh my God. Et genre, ce que je vous disais... Ah, mais hop, la petite... Voilà. Ce que je vous disais, c'est que regardez, en fait, on a vu des mille pattes. Et genre, regardez, là, il y a plein de trous. Et genre, ça... Tu peux enlever ta joue. Oui, bah, c'est bon, t'as qu'à dire que je suis gros, ton petit. Et donc... Gros, ton petit. Et donc... Aïe. Ah, je me suis fait trop mal. Ah, les gars, je me suis pris ça fait trop mal. Ouais, voilà, ça fallait que ça arrive. Et oui, les gars, j'ai oublié de vous montrer un truc. On peut s'amuser. En plus, aïe, mais on a fait une balançoire, les gars. Bon, normalement, elle était là. Genre sur le... Voilà, sur le toit. Mais bon, en fait, on l'a cassé parce que ça nous utilisait de la ficelle et ça servait un peu à rien. Donc, on l'a cassé. Enfin, on l'a enlevé. On va la remettre. Et les gars, là, je suis en suspens. Ouais. Donc voilà, là, je suis en suspens avec un arbre. Et voilà. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que bah, je continue à faire, voilà, vous montrer la cabane et tout. Abonnez-vous à la chaîne de Sababou qui est en description. Donc voilà, on se dit à la prochaine. C'était Climax. J'ai bégayé.